Donc on s'était rencontrés à la galerie Depardieu suite à l'exposition des effrontés. C'était un prolongement un petit peu de ce travail, sauf qu'il y a deux séries qui se sont greffées sur cette première exposition. Donc là, une première série qui est plutôt florale, où en fait j'ai repris le tissu papier que j'effectuais sur motif pour les effronter, et je l'ai décliné en fait en pièce unique. Et j'ai repris la même méthodologie picturale, la même recherche. J'en ai tiré des petits formats et de grands formats que j'appelle all over flowers. Ce sont un peu comme des pots, alors c'est un jeu de mots un peu basique, mais des pots de fleurs. Hein. C'est un papier très, très fin qui évoque un petit peu la légèreté des pétales de fleurs. Je travaille toujours sur deux séries en même temps. Donc on a vécu le confinement entre-temps, et cette série qui s'appelle Se fondre dans le décor est arrivée pendant le confinement. Donc j'étais un peu restreinte au niveau du temps, donc je suis revenue sur des formats plus petits. Et le fait de regarder pendant le confinement les émissions télévisuelles, etc., je me suis aperçue qu'en fait les journalistes ou les professeurs confinés chez eux ont découvert leurs intérieurs. Et j'étais assez curieuse de ça, donc j'ai repris un élément d'intérieur, c'est-à-dire du papier peint. Et j'ai décidé d'y insérer des personnages, d'y raconter des histoires. Comme nous étions un peu dans le monde entier, dans la même situation, on retrouve un petit peu des portraits féminins du monde entier dans des situations un peu analogues. La dernière petite série que j'ai entamée il y a à peu près un mois et demi, comme j'avais abordé le thème de la fleur, du végétal, j'avais quand même pas mal étudié dans mon jardin, j'avais envie de rentrer un peu plus dans la précision, des formats beaucoup plus intimistes. J'ai sorti cette série qui s'appelle des miniatures botaniques, où je prends une fleur, souvent une rose, mais pas uniquement, et je la mets dans des situations un peu anthropomorphiques. Et je travaille toujours par l'effacement, hein, parce que c'est quand même la méthode que je poursuis depuis quelques années. Donc c'est un travail sur faïence qui est recouverte d'huile noire et que je viens effacer progressivement pour faire apparaître la fleur qui semble un petit peu évoluer dans un milieu presque humain. C'est vraiment la série la plus nouvelle que je poursuis ici d'ailleurs à la galerie des Dominicains, hein, puisque sur des petits formats il est possible de travailler. Alors il m'arrive de refaire encore une effrontée quand dans mes lectures ou autres, j'ai envie de travailler sur un portrait particulier. En fait, je ferme jamais mes séries, donc à tout moment, je peux revenir et refaire une effrontée. Et j'ai élargi un petit peu le domaine en ouvrant des femmes qui sont fictives, c'est-à-dire que je crée un petit peu de toutes pièces. Donc les trois grands formats qui sont là sont des femmes fictives. Donc travailler sur le même protocole artistique, mais complètement inconnu, puisque même pas existante en fait. Hein. Je prends le sourire de quelqu'un, un regard d'une autre, une chevelure, et j'assemble le tout, portrait robot de femmes.
dans le fond, effectivement, je combats tout ce qui pourrait être fait de négatif aux femmes, mais je ne suis pas... je ne suis pas véhémente du tout dans mes propos, je soulève juste certaines réflexions et en fait j'aimerais amener à la réflexion. Voilà, je ne suis pas une combattante, mais je pense que par la réflexion et la douceur, on peut beaucoup plus toucher les gens et les amener dans certaines directions que par la force. Donc voilà, c'est un petit peu mon chemin.